marre des réseaux sociaux. On en a marre des réseaux sociaux. Retour au web 1.0. Pas jusqu'au code Morse, mais pour parler d'Internet et du web, on va passer par le Morse, qui est un petit peu connu, simple à comprendre quand on voit ici l'alphabet. C'est un protocole, on se met d'accord entre deux personnes et c'est un alphabet audio. Un point signifie un son court et un tiret un son long. Le A, ça va être bip, bip, une pause et la lettre suivante et ainsi de suite. IP, c'est le protocole d'Internet. Internet, c'est l'ensemble des câbles, des machines qui font circuler l'information, mais c'est aussi la langue d'Internet. Et Internet permet de créer des applications à partir du moment où, pour ces applications, on crée un nouveau langage qui va se baser sur ce langage IP. Un peu comme le code Morse utilise les câbles télégraphiques et l'électricité pour être transmis. D'accord, le code Morse, je vais appuyer sur mon petit bouton et envoyer le signal qui va être traduit en signal électrique avec une certaine intensité et envoyé dans les câbles électriques. Internet, c'est pareil. On a une formation des données, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ensuite, ces paquets, on appelle ça des paquets, les petits paquets IP qui sont le langage d'Internet, sont envoyés et là traduits sous forme de signal électrique ou optique pour la fibre optique, mais à un moment donné, Internet, c'est un langage, comme le Morse. Et ensuite, avec le Morse, je peux parler une langue, le français ou l'anglais ou toute autre langue. Pour Internet, c'est la même chose. On va parler le web ou le mail ou le streaming. Ça va être des langues qui se mettent au-dessus de la langue de base IP. Et c'est pour ça que le web est un mot différent d'Internet. En réalité, le web, c'est l'ensemble des sites sur lesquels on navigue avec un navigateur du style Firefox, Chrome, Edge, n'importe, Safari. Internet, c'est les câbles, les machines et la langue de ces câbles. Et le web, c'est juste une application. Donc cela étant dit, je vais vous montrer une diapo d'un cours que je donne sur l'histoire d'Internet et qui montre. Web, ce sont des sites web. Google est un site web. Microsoft, Amazon, Apple, tout ça, ce sont des Facebook. On pourrait les supprimer. Le web fonctionnerait toujours sur Internet grâce à ces trois sociétés qui sont des sociétés à but non lucratif de droit californien basées à Los Angeles et qui permettent à L3. Vous pourrez aller voir sur Wikipédia, c'est très bien expliqué, mais à L3, elles permettent de faire fonctionner Internet, de définir les règles, les protocoles, de les faire appliquer, de promouvoir même Internet, ça c'est le rôle de l'Internet Society, de promouvoir la connexion des pays, la connexion directe à Internet pour la souveraineté. L'ICANN, c'est plutôt les noms de domaine, les adresses pour simplifier, et l'IETF, c'est vraiment des ingénieurs qui savent comment brancher Internet à un pays, au réseau téléphonique de ce pays, parce que il faut bien voir que la plupart de ceux qui circulent sur Internet, si ça passe par les câbles sous-marins, le gros des données, en termes de pratique pour le quotidien, vous êtes connecté à votre réseau téléphonique qui préexistait à Internet. Passons. Ça, c'est Internet. On rentre petit à petit dedans, parce qu'il faut voir comment ça marche pour ensuite aller se dire mais comment je fais moi un site là-dedans. Donc passons à la définition de ce qu'est Internet. Internet, c'est un réseau de réseaux. On le voit souvent défini comme ça parce que c'est un réseau informatique de l'université, de l'entreprise. Il y en a des milliers de votre réseau domestique. On est connecté. Le grand réseau sur lequel, on va dire, les entreprises sont connectées, les universités, ça va être France Télécom, SFR, Bouygues, ces réseaux-là qui possèdent les câbles, qui les font fonctionner. Et sur ces réseaux, il y a encore donc, tous ces réseaux publics ou privés, jusqu'à votre ordinateur. Ça, c'est Internet. Et Internet fonctionne très simplement. Le client, c'est vous, sur votre ordinateur. Et le client, il demande, serveur, une page. Le serveur lui renvoie la page. C'est tout. C'est ça, Internet. Et c'est le navigateur web qui sert d'interface. Celui où vous êtes en ce moment en train de regarder la vidéo YouTube, à moins que vous soyez dans l'application, sur un téléphone. Dans ce cas-là, l'application, ça va être le client et les requêtes vont passer de la même manière jusqu'au serveur. Et ensuite, donc tout ça, c'est le web. Et pour la vidéo, c'est peut-être un peu différent. Elle est renvoyée en streaming, donc c'est un autre protocole, c'est un autre langage, un peu comme celui des plateformes
de films et de séries, ou quand on joue à un jeu vidéo, tout ça, c'est des langues différentes, mais qui passent par Internet, que ce soit le web, le mail ou le streaming. Alors, comment on fait une page là-dedans? Et bien, vous voyez, sur ce schéma, très simplement, il faut que votre page, elle soit ici, sur le serveur. Si vous créez votre site chez vous, personne ne peut y accéder, à moins de transformer votre maison en serveur web. Mais ce qu'il faut faire, c'est héberger son site sur un serveur. Donc, c'est là... Ici, il y a écrit serveur. Nous, on va voir que c'est un hébergeur qui va vous... Donc, un hébergeur vous permet... Voilà. OVH, Gandhi, Nuxit, il y en a d'autres, Planet Hoster. Tout ça, c'est des... Vous pouvez lui demander, ici, un nom de domaine. Ici, voilà, sur une page, il vous demande de vous connecter et il vous dit 10,56€ par an pour avoir juste le nom de domaine sans rien dedans. Ou peut-être vous pourrez avoir la place pour mettre une page ou quelques pages web. Ça, c'est vraiment la base, c'est avoir un nom de domaine, avoir un espace avec un nom accessible par un navigateur. Donc, je vous montre l'offre d'OVH, mais c'est la même chose pour tous les hébergeurs parce que c'est à peu près les mêmes prix. C'est comme ça que ça marche la concurrence. Celui-là. Donc ici, on voit que vous avez un site web et 1 giga de stockage. C'est largement suffisant pour un site statique avec des images ou pas et du texte, sans parler de base de données. Optimisé pour WordPress ici. Donc on peut mettre une base de données, petite base de données, pas de problème avec un site où il y aura moins d'un giga en tout d'images, de sons, de médias. Le texte, évidemment, ça va passer sur un giga. Sachant que dans un giga, il y a 1 milliard d'octets et qu'un octet, c'est une lettre, si vous voulez. Donc même si, quand vous tapez votre texte en HTML, donc la langue du web sur laquelle on reviendra, qui est la façon dont on peut mettre en forme le texte avec... On écrit le texte et... On place des petits bouts de code pour dire c'est gras, c'est italique, c'est à droite, c'est à gauche, c'est bleu, c'est vert. Globalement, c'est du texte. Donc, on voit que 1 milliard de données, c'est suffisant. Ça monte très vite dès qu'on installe un logiciel comme WordPress ou Spip ou Drupal ou autre site de gestion de contenu. Donc là, on voit qu'il y a différentes offres. La deuxième disponible, c'est perso. On va pas regarder les autres, simplement pour voir qu'il y a beaucoup plus de stockage. Donc, on peut mettre... du son, des vidéos, juste plus d'images, et puis puissance, ça veut dire que vous pourrez avoir plus de gens en même temps sur votre site. Bon, ça, c'est pas très important, les deux fonctionnent très bien. Donc, on voit ici à peu près le prix, 40€ par an. Vous pouvez ajouter cette offre d'hébergement, vous créer un compte, passer la commande, suivre les étapes, ne pas demander d'options supplémentaires à l'hébergement de base qui est proposé, pas d'optimisation de je ne sais quoi, si vous le faites, mais peut-être il y aura une vidéo spéciale sur mais comment vraiment configurer un hébergement, parce qu'une fois que c'est fait, c'est pas terminé, on n'a pas vraiment de site fonctionnel, il faut savoir mettre des pages dessus, et je reviens à cet écran où vous êtes de toute façon ici client, si vous créez votre site, à un moment donné, il faut le mettre sur le serveur, il y a un protocole, une autre langue pour administrer un site, qui n'est pas la même que celui pour visiter un site, mais... De toute façon, vos fichiers doivent passer de là à là, de façon à ce que les gens qui le visitent puissent les consulter. Et ça, on verra comment on fait. On verra le langage HTML, le langage CSS qui permet de faire la mise en forme. Tout ça, c'est pas vraiment des langages informatiques parce que c'est simplement des... C'est plutôt des fichiers de paramétrage ou du code de mise en forme du texte où au lieu que la mise en forme soit donnée dans un menu, elle est écrite à la main. Et évidemment, il y a des interfaces qui vous proposent un menu et qui écrivent à votre place ce petit code de mise en forme. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous ce que c'est qu'Internet, ce que c'est le web, pourquoi on a deux mots différents, pourquoi sur Internet on peut avoir des tas d'applis, pourquoi Google, Facebook, Amazon pourraient disparaître si je claquais des doigts, le web marcherait encore. Utilisez les commentaires, abonnez-vous et vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Peut-être que la dernière fois, j'ai parlé des réseaux sociaux non commerciaux, sans algorithme. Peut-être que je pourrais faire une vidéo sur expliquer ce qu'est Mastodon, qu'est-ce que c'est que les instances, pourquoi ça paraît compliqué au départ de s'inscrire, et faire une vidéo qui montre qu'en fait, c'est pas si difficile. Donc voilà, autant de sujets disponibles, n'hésitez pas, et j'espère que bientôt, petit à petit, on pourra créer des sites sur le web 1.0.